pour finir, je résiste pas à l'envie de vous faire parler d'Armand Coppens. Armand Coppens qui a donc écrit un livre qui s'appelle « Mémoire d'un libraire pornographe oui. », qui n'est pas un roman. Non, ce sont des mémoires. Alors Armand Coppens est un pseudonyme derrière lequel se cache un libraire de ce rayon vraisemblablement belge ou néerlandais, on ne sait pas vraiment. Le livre a été édité en néerlandais pour commencer, puis en anglais en 69 et en français en 70. C'était pas très bon, je suis d'accord. Et en fait, moi j'ai entendu parler de ce livre car j'ai lu une grande étude sur l'histoire de l'édition littéraire en France. Oui, je vous disais que c'était un métier obsessionnel, de 1960 aux années 2000. Et il est fait mention donc de cet ouvrage qui, à l'époque, en 70, est sorti chez un éditeur qui s'était quasi constitué pour sortir cet ouvrage. Il y avait toujours la censure, donc le livre était vendu avec une TVA à 33% sous le manteau. Et à l'époque, pour nous aujourd'hui, le livre s'est vendu à 100 000 exemplaires. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet ouvrage étrange. Nous avons réussi à en trouver une édition des années 70 et on a été absolument stupéfiés par ce cours de commerce qui nous est donné par l'intermédiaire de ces mémoires, stupéfiés par les portraits des clients de ce libraire où toutes les perversions sont décrites sans jamais, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais tomber dans ni salacité, ni vulgarité, ni... Il y a une espèce de distanciation de ce fameux libraire pornographe et quasiment, même s'ils ne les ont pas parlé gravement en termes de prix, il y a quand même une espèce de bienveillance à l'égard de ces gens qui sont vraiment obsédés par des choses très curieuses. Enfin, vous verrez et ce qu'ils voulaient dire. Oui, parce qu'on va lire un passage. Mais, voilà, alors on a fait le pari de publier ce livre parce que, bon, d'abord c'est un livre jubilatoire, c'est un livre très drôle. Encore une fois, c'est un cours de commerce très précis. Il explique comment la valeur d'un livre se définit en fonction du désir de l'acheteur, en fait. Et il y a des pages assez stupéfiantes sur le rapport, alors plus aujourd'hui, oui, il y a le prix unique affiché, mais c'est... Dommage, on aurait pu le vendre cher ce soir. Oui, c'est vrai, on va prendre des études. Et alors on a demandé à Emmanuel Pierrat, qui est un grand collectionneur de littérature érotique, et collectionneur bibliophile de surcroît, de bien vouloir nous faire une préface. Tous les faits racontés par Armand Coppens, de l'avis de spécialistes que je ne suis pas, sont justes et véridiques. Les portraits en creux de ces grands obsessionnels, encore d'autres, sont identifiables par les grands connaisseurs de bibliophilie érotique. Les grands bibliophiles d'érotisme savent qui est Armand Coppens, a priori. Voilà. Donc nous, on a eu un grand plaisir à éditer ce texte, d'abord à le lire, à l'éditer, à le faire connaître. Et je suis ravie qu'il ait été retenu dans la liste des livres que Julien voulait proposer, parce que c'est vrai que on n'a pas atteint les 100 000 exemplaires. Ça a été très très dur de choisir un extrait, tellement tout est bon et drôle. Pour vous faire juste un portrait de refusé, on a cet homme qui vit dans un hôtel tenu par deux tenanciers gays et qui tous les ans font un carnaval de folie et qui décide de s'habiller en prêtre et qui, quand il porte sa bille, se rend compte que cet habit est fait pour lui et qu'il doit vivre sa vie différemment. Donc il commence à vivre une vie prêtre, mais bon, une vie de prêtre un peu dévoyée. Il se fait payer une grande croix en argent qui se met autour du cou, et puis une crosse, et puis il commence à se faire passer pour un prêtre d'une église orthodoxe russe, et il raconte comment il passe la Seconde Guerre mondiale avec une église, à voler des subsides aux Allemands et aux Hollandais après, pour alimenter son église, et qu'il trouve un certain nombre de fidèles. Alors au début, il essaie de faire les choses sérieusement, et ça dé
dégénère sévèrement par la suite, quand il commence à mélanger au culte, flagellation diverses et variées, distillerie d'alcool clandestin, distillerie d'alcool clandestin, c'est, enfin, un portrait, ça durait 40 pages et on ne pouvait pas la couper. Donc on n'a pas choisi celle-ci. Non, on va vous parler de deux familles, en fait. La famille Cumming et la famille Berger. Et les deux familles ont, Coppens met en place entre deux familles un système où il va acheter chez les uns pour revendre chez les autres. Et en fait, c'est une manière de partage des perversions. Donc vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure de l'extrait. On en arrive alors que les transactions sont déjà bien abouties. Il y a déjà eu plusieurs échanges entre les familles, sans que les familles le sachent, puisque Coppens fait à chaque fois le lien entre les deux. Les femmes de ces hommes collectionneurs sont à la fois complices et complètement excédées par les folies de leur mari. Et donc, on va avoir d'abord le témoignage de Madame Cumming. Vous rendez-vous compte, Monsieur Coppens, tout ce qu'il me faut endurer ? Pour moi, ce n'est vraiment pas drôle. Lorsqu'un homme normal veut faire l'amour avec sa femme, il la prend et cela les satisfait tous les deux. Ce sont des rapports sains et tendres. Mais mon mari... Il lui faut d'abord lire un livre sur un éléphant ou un ours en peluche et il découvre chaque fois de nouvelles qualités à ces animaux qu'il lui faut transposer dans ses dessins. Puis, il sautille autour de la pièce comme un idiot, je suis désolée, un peu à la façon dont ces horribles bêtes sautilleraient si elles se trouvaient affublées de corps humains. Quand il décide d'être un éléphant, il faut que je lui fabrique une trompe de carton qu'il fixe sur son nez. Il déambule alors dans la maison en barrissant. Et comme si toute cette comédie ne suffisait pas, l'éléphant doit être habillé en fille. Lorsque donc il a revêtu sa culotte de dentelle, ses bas noirs et ses hauts talons, il se met en devoir d'émettre des barrissements d'éléphante que je dois interpréter comme « Je vous aime beaucoup, Madame Cumming ». Car il s'imagine que je vais moi aussi être excitée par cette pantomime. Et ce n'est pas terminé. Ce serait trop beau. Notre éléphant, miraculeusement transformé en fille, doit ensuite recevoir des ordres, être affreusement humilié et vigoureusement battu. Il se met alors à pleurnicher de sa voix d'éléphant « Arrêtez, arrêtez, je n'en peux plus !» Puis, il lui faut me faire un cunnilingus, après quoi, il repart de sa lourde et pesante démarche, quitte la pièce, serrant contre lui son ours en peluche. Et, en sécurité derrière la porte, m'observant par le trou de la serrure, il trouve enfin avec l'ours sa jouissance sexuelle. Le comble, c'est que, pendant toutes ces pleurnicheries, il se plaint de la cruauté de son maître. Son maître, vous entendez ? Un homme ! Je n'ai même pas le droit d'être une femme ! Madame Cumming s'arrêta un moment pour reprendre haleine, puis elle poursuivit, plus calmement. Vous comprenez maintenant la force de caractère qu'il me faut, car, en dépit de cet enfer, je ne suis pas encore devenue complètement folle. J'ai souvent frisé la folie, bien sûr, mais il n'y a aucun danger que je me transforme jamais en éléphant ou en ours en peluche. Au pire, en une dingue aux yeux vitreux. Aussi, si vous pouviez me débarrasser de ces sales albums, rendriez-vous un grand service à une femme, ou du moins à ce qu'il en reste. Parce que donc, outre le fait qu'il possédait une collection de livres sur les travestis en animaux, et notamment en éléphant et en ours en peluche, M. Cumming dessine, et a dessiné deux magnifiques albums avec plusieurs centaines de gravures, avec lui déguisé en éléphant ou en ours en peluche, fille. Je ressentis soudain une immense compassion pour Mme Cumming, mais n'en dis rien. Je les achèterai très volontiers, dis-je. Ce ne sera pas facile à vendre. Le travestissement est relativement courant, mais les animaux, c'est un autre problème. Vous devez bien avoir des clients qui aiment les bêtes, monsieur Coppens. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Vous êtes, après tout, un jeune homme plein de ressources. Je promis de faire de mon mieux et les quitter en emportant les deux albums que j'avais accepté de vendre sur commission. Madame Cumming me dit qu'elle souhaitait 50 livres pour les deux, cette somme représentant pour elle une maigre compensation pour ce qu'elle a vendu. Chaque album contenait une centaine d'illustrations. Je ne voyais pas comment en tirer plus de 5 shillings pièce. C'était finalement l'absurdité de ce qu'elle représentait qui en faisait des pièces uniques en leur genre. Je me creusais la tête pour essayer de me souvenir d'un client qui aurait marqué un quelconque intérêt pour le travestissement animalier. Mais je me rendis bientôt compte qu'il me fallait élargir mon champ de recherche au travestissement en général. Je rappelais M. Berger et, par bonheur, le trouvais chez lui. Lorsque je lui dis que j'avais 200 illustrations et aquarelles sur le travestissement, il me répondit très agité.
Êtes-vous chez vous ce soir? Pourrions-nous venir à la même heure que la dernière fois? Bien entendu, ce sera avec plaisir. Bon, eh bien à ce soir, monsieur Coppens. Merci de votre coup de fil. C'est très gentil d'avoir pensé à nous. Mais je vous en prie, monsieur Berger. À tout à l'heure, donc. À ce soir, monsieur Coppens. Au revoir, monsieur Berger. Je m'empresse de raccrocher, car encore une fois, cet échange de politesse creuse aurait pu durer indéfiniment. Il me vint soudain à l'esprit que monsieur Berger devait conduire ses séances de psychanalyse de la même façon, en échangeant sans fin avec le patient des phrases sans intérêt. Comme il était payé à l'heure, cela devait lui rapporter beaucoup d'argent. À 8 heures précises, les Berger sonnèrent à ma porte. Il n'avait pas franchi le seuil que madame Berger ordonna à son mari de se mettre à quatre pattes, ce qu'il fit aussitôt. « Monte immédiatement !» dit-elle brutalement. Tel un chien, l'homme escalada l'escalier menant à mon bureau. Madame Berger suivit tranquillement, bavardant avec moi, sans plus se soucier de lui. « Ce n'est pas facile de venir chez vous. On devrait construire une autoroute entre notre village et la ville. Les réflexes de mon mari ne sont pas assez rapides quand il y a beaucoup de circulation. Il se fait vieux, vous savez. » Lorsque nous pénétrâmes dans mon bureau, monsieur Berger, qui nous avait précédés, se mit à nous renifler et aboyer. Je me sentis défaillir. Non, pensais-je. Mais ce n'est pas possible, pas un autre animal, pas un autre dingue. Mais la fatalité ne connaît pas de pitié. Par bonheur, madame Berger prit immédiatement la situation en main. Elle caressa la tête de son mari et lui dit « Suffit, suffit maintenant, Red. Oui, tu es un bon chien. Allez, couchez. Sois sage et tais-toi. Voilà. » Il se coucha sur le sol avec raideur, posant lentement la tête sur ses pattes. Vu la situation, il me semblait déplacé de leur offrir un verre. Je sortis donc immédiatement les albums. Madame Berger entendit un à son mari et garda l'autre. Je commença à le feuilleter. Elle eut soudain un rire espiègle de petite fille et me regardant. Oh, Dieu soit loué, il y a sur Terre un animal encore plus fou que le mien. Celui-là, rectifiai-je, ce n'est pas un animal, c'est un zoo. Et moi qui me croyais mal loti, il est marié? Oui. Pauvre femme. Vous aimez les aquarelles? Oui, beaucoup. Je les trouve remarquables. Mais que faire de ces éléphants et de ces ours? Ouah, puis-je parler, s'il vous plaît? À condition que tu arrêtes immédiatement de faire le chien. Viens t'asseoir et fume un bon cigare. Monsieur Berger reprit une attitude humaine et prit place aux côtés de sa femme. Alors, qu'en penses-tu? J'aime bien les ours. Lorsque j'étais petit, j'étais très attaché à mon ours en peluche. Puis prenant le ton détaché du psychiatre averti qu'il était, aussi suis-je à peu près sûr de pouvoir intégrer cet animal dans mon syndrome infantile. Quant aux éléphants... Il secoua la tête d'un air méditatif. Je ne sais pas. Ils me gênent un peu. Je ne les ai jamais vus sous cet angle, vous comprenez? Cela pourrait être intéressant. On pouvait lire sur son visage le combat que se livrait entre en lui le psychiatre et le maniaque. Sa femme, craignant le pire, l'interrompit angoissée, suggérant des espoirs de cause. Tu pourrais laisser tomber les éléphants, non? Et te contenter des ours? Monsieur Berger ne répondit pas. Les sourcils fronçaient, il était perdu dans ses pensées. Je regrette. Je ne pense pas que cela soit possible, murmurai-je à l'adresse de madame Berger. Les albums ne peuvent être vendus séparément. À la vérité, pas plus qu'elle, je ne désirais garder les éléphants. Où trouverais-je un client qui veuille de ces animaux bizarres et couverts de protubérances?